Bonjour, nous sommes en 1966. Je suis étudiant à l'École nationale des beaux-arts de Nancy. J'ai 19 ans, nous sommes en dernière année. Et je lis dans l'Est républicain qu'un concours est lancé pour la création d'une affiche. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'illustrer l'affiche du bicentenaire du rattachement de la Lorraine et du Barrois à la France. 1766, donc nous sommes en 1966, deux siècles après. Il faut savoir que le duché du Barrois et le duché de Lorraine avaient une histoire commune, d'où le fait que c'est le rattachement de la Lorraine et du Barrois. Je fais donc une superbe affiche, que, enfin je la trouvais belle à l'époque, que vous allez voir, et je ne gagne pas, à mon grand dam. Mais aujourd'hui, je suis capable de savoir pourquoi. Depuis que j'ai retrouvé cette maquette d'affiches, je suis en capacité de comprendre pourquoi je n'ai pas gagné. J'avais 19 ans, je ne suis pas licencié en histoire de l'art, et j'ai fait un énorme anachronisme. J'ai mis sur ma maquette un drapeau tricolore et une croix de Lorraine. C'est pas tant la croix de Lorraine qui est gênante, c'est le drapeau tricolore. Car à l'époque, nous sommes, n'oublions pas, en 1766, puisque c'est le bicentenaire. Or, je lis, décret du 27 pluvieux en 2, soit entre parenthèses 15, février 1794, le pavillon national sera formé des trois couleurs nationales disposées en trois bandes égales, posées verticalement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule du pavillon, le blanc au milieu, et le rouge flottant dans les airs. C'est un décret de 1794. Or, nous sommes en 1766. Voilà pourquoi c'était pas possible qu'on prenne mon projet. Or, le gagnant a tout compris. Il n'a pas commis mon erreur. Il a mis un drapeau avec des fleurs de lys pour représenter la France. À droite, l'écusson de la Lorraine. À gauche, l'écusson du Barrois. La Lorraine, on la reconnaît avec ses trois alérions dans la bande rouge. Les alérions, ce sont des aiglons. Et les poissons représentent le duché de Bar, le fameux Barrois. Voilà. Pourquoi le rattachement de la Lorraine et du Barrois à la France ? Petit rappel pour les non-initiés. Le duc François de Lorraine, ayant épousé la future impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, accepta en 1737 de céder ses duchés de Lorraine et du Barrois à Stanislas Leszczynski, roi déchu de Pologne et beau-père du jeune Louis XV. Ceci en échange du grand-duché de Toscane. La transaction mit fin à la guerre de succession de la Pologne. Rappelons qu'en 1725, le mariage surprenant de Louis XV avec la fille de Stanislas, Maria Leszczynska, sortit la famille de son triste exil et propulsa de nouveau l'ancien roi sur la scène européenne. Souverain éclairé et débonnaire, Stanislas Leszczynski se contente d'animer dans son château de Lunéville une cour brillante, accueillant aux artistes et aux gens de lettres. Petite anecdote. En 1742, Stanislas fait aménager au pied de la terrasse du château, sur 250 mètres, un ensemble artificiel de collines avec grottes, sentiers, ruisseaux. Sur ce fond rocheux, l'horloger François Richard installe 88 automates grandeur nature qui s'animent grâce à des systèmes hydrauliques ingénieux. Le thème général est une pastorale où sont représentées de nombreuses scènes paysannes et bucoliques. Ce théâtre d'automates qui émerveille Voltaire, Montesquieu met en scène un monde utopique, tel que l'imaginent certains philosophes du siècle des Lumières auxquels Stanislas peut être rattaché. Le principe des automates depuis Vaucanson en France et plus tard Jacques Edrose en Suisse sont des attractions spectaculaires. Entre 1751 et 1755, Stanislas Leszczynski lance à Nancy, sa capitale, la construction d'un ensemble magnifique sous la direction de l'architecte lorrain Emmanuel Héré. Emmanuel Héré réunit la vieille ville à la Villeneuve de l'époque via une grande place oblongue, dite place Neuve de la Carrière, lieu où se déroulaient autrefois les tournois. Cette place communique avec la place Royale, aujourd'hui place Stanislas.
Stanislas, âgé de 88 ans, meurt à Lunéville le 23 février 1766 au terme d'une longue agonie. En effet, âgé et très imposant, il a été grièvement brûlé le 5 février 1766 lorsque sa robe de chambre prend feu accidentellement devant la cheminée de sa chambre au moment où il veut raviver les braises. Le lendemain de sa mort, on embaume le corps. Conformément à son vœu, ses entrailles et son cœur sont aussitôt transportés en un cénotaphe de l'église Saint-Jacques de Lunéville, où il repose jusqu'à la Révolution française. Son corps est inhumé en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Nancy. Son décès permet donc l'annexion de la Lorraine par le royaume de France, puisque sa fille héritière, Maria Leszczynska, était l'épouse de Louis XV. Ces fêtes du bicentenaire, en 1966, ont fait l'objet d'un grand défilé sur la place Stanislas, à Nancy donc, un grand défilé costumé qui retraçait justement les deux siècles de l'histoire de la Lorraine. J'avais emprunté la caméra de mon père, caméra 8 mm non sonore, à l'époque avec une bande magnétique collée, un enregistrement fait avec le projecteur, enfin tout un tas de trucs qui n'existent plus de nos jours. Je l'ai laissé dans son jus, avec le commentaire de l'époque, avec ma voix de Lorrain accentuée de l'époque. Et pour être sûr d'être audible, on a rajouté un sous-titre sous toutes les images. Donc je vous laisse regarder ce film et je vous dis à bientôt. Des milliers d'oriflammes, de drapeaux, 1000 figurants, 130 chevaux, le tout sous un soleil radieux, il y avait bien là de quoi faire du défilé du bicentenaire une immense fête. C'est qu'il ne fallait rien perdre de ce grand livre d'Épinal. Après un an de préparation de travaux exécutés avec un soin méticuleux du détail, cette manifestation constitue le sommet d'un anniversaire qui comptera dans les grandes heures de Nancy. Le 26 mai 1966 restera au cœur de chaque Lorrain comme le symbole du lien qui nous unit à la France depuis 200 ans. Le jour va se lever sur une Europe unie après tant de destruction et de déchirement. Elle va réaliser par elle-même ce que tant d'hommes ont voulu faire par la force. Et le symbole de la petite Lorraine, qui en regard de l'histoire a toujours vécu au même rythme que la France depuis 1766, peut désormais servir comme exemple à bien d'autres pays. Mais maintenant, sous nos yeux, le voile de l'histoire va se lever pour nous faire redécouvrir que c'est sous Stanislas que la Lorraine devint française, ou plus exactement à sa mort. Le premier tableau fut le symbole du rattachement. Derrière un officier de la maréchaussée de Stanislas s'avance un officier vêtu de jaune et d'argent, les gardes de Lorraine qui vont disparaître et un officier du régiment du roi. La musique des gardes du corps à cheval entraîne les gardes porteurs des enseignes aux vieilles couleurs lorraines. Les armes, puis les 9 bannières forment l'écu de Nancy. Puis défilent les gardes, le royal Lorraine et le royal Barrois, précédant les carrosses du marquis Chaumont de la Galésière, qui s'en va remettre le testament de feu Stanislas à Louis XV. Enfin, le régiment du roi, derrière le comte de Stainville, le nouveau gouverneur. C'est la fin de la Lorraine indépendante, Nancy et française. Voici le régiment du comte de Stainville.
Voici derrière le commissaire du peuple le départ des volontaires de 1792 qui partent défendre les frontières. Le peuple les accompagne en chantant la Carmagnole. La révolution est passée, l'Empire est venu avec lui, les grandes armées et l'amour de Bonaparte pour les uniformes chamarrés d'or. Vous allez voir une poignée de maréchaux célèbres, Gouvion-Saint-Cyr, Drouot, Duroc, Axot, Lassalle, Ney. Des cavaliers encore, un groupe magnifique de hussards en uniforme bleu tendre, montés sur des chevaux blancs, emportant le reflet du ciel dans l'acier de leurs sabres. La grande armée, les sapeurs en tête, avec leurs lourds tabliers de cuir. Les voici. Puis les grenadiers géants, en bonnet à poil, les voltigeurs enfin. Ceux de la Bérézina qui commandaient un autre Lorrain, Eblé. Trente ans ont passé, le sergent Blandin au milieu de 18 de ses hommes trouva la mort en 1842 dans la vallée de Beni Mered, il avait 23 ans. Le détachement appartenait au 26e RI qui après la guerre de 1870 reviendra le régiment de Nancy. Et là on simule l'attaque, place de la carrière. Après la scène de guerre, les souvenirs charmants. Pour remonter un siècle en arrière, les dragons parachutistes de Dieuze ont abandonné leur béret et retrouvé le casque étincelant et à crinière de leurs ancêtres. Ils accompagnent l'impératrice et le prince héritier qui viennent à Nancy pour le centenaire du rattachement de la Lorraine et du Barois à la France. Voici l'impératrice et le prince héritier. Impératrice Eugénie, femme de Napoléon III. Et voici sa cour, ses femmes d'honneur. Mais nous allons voir maintenant une époque qui marqua l'avenir de la France. La garnison de Nancy, une division entière, la division de fer, en pantalon garance. L'état-major passe à cheval, puis viennent la musique du régiment du 37e, 26e, du 6-9, les étendards du 8e d'artillerie et du 5 hussards. Tout à l'heure, ce sera la revue des troupes, le défilé impeccable, comme tous ceux que la division offrait aux Nancéens entre deux exercices, au plateau de Malzéville et au Bois-l'Évêque. L'hymne de la Légion et la foule se lève. Ce sont les légionnaires de Lyautey, képi blanc, mais capote bleue horizon. Les légionnaires qui défilent de ce pas inimitable. Les chasseurs à pied, une musique bien en souffle, et des petits gars du contingent bleu horizon qui suivent en suant le pas de chasseur. Les chasseurs étaient commandés par le colonel Drian, le député de Nancy. Mais la fin du défilé approche. Ce sera la mauvaise partie du spectacle. Les soldats français qui représentent les Américains marchent consciencieusement du chewing-gum, l'authenticité est respectée.